On ne le connaît pas encore, mais c'est peut-être ce monsieur qui va sauver l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Car c'est à lui que le nouveau président Nicolas Sarkozy a confié la mission d'organiser les primaires pour la présidentielle. C'est bien de prendre quelqu'un de nouveau aussi, de prendre quelqu'un de jeune. Il s'appelle Thierry Solaire, un nom qui invite naturellement au jeu de mots pas terribles. Énergie solaire ? Yes ! Missile solaire ? Oh, oui ! Je suis en solaire. Député des Hauts-de-Seine, il s'est fait connaître en battant Claude Guéant aux législatives de 2012. Moi, je ne fais pas le malin pour autant. Un temps viré de l'UMP, le rebelle sera vite réintégré. Mais vous voyez l'esprit. Pendant la campagne pour la présidence à l'UMP, il a soutenu Bruno Le Maire. Ouais, c'est un très beau score. Mais à l'UMP aujourd'hui, tout le monde est dispersé. Il y a des aspirations personnelles dans la vie politique. Il y a des ambitions qui se font jour avec les présidentielles en 2017. Et c'est lui qui aura la lourde tâche d'éviter à la droite une nouvelle guerre. Rassemblons-nous, soyons unis. Ou simplement de nettoyer les flaques de sang. Je suis désespérée de voir qu'on est prêt à mettre une claque à Clément. Le fameux Clément pour faire un magnéto. Je veux dire, de 0 à 10 ans, ouais. J'ai eu le droit à toutes les blagues sur mon nom. Ah bah oui, donc vous êtes là. Laquelle, alors ? Il y en a plein d'autres. Ouais, ouais. Les lunettes, la crème, ah bah enfin oui, il y en a plein. De 10 ans à mon arrivée à l'Assemblée, j'ai eu une paix royale avec ça. Et alors depuis l'arrivée, dans le retour dans la vie politique, j'ai le droit à ça. Ah oui, nous on aime bien. C'est des gamins, quoi, à l'Assemblée nationale. Alors d'abord.